Attends, j'ai fait le foot. Vidéo quand même. Je m'appelle Baptiste Mélin, je suis en licence et c'est ma troisième année d'alternance à Maxès. J'ai fait un bac STMG, ensuite un BTS, MCO en alternance ici et ensuite là une licence pour être responsable développement commercial. Je suis conseiller polyvalent, donc je peux être autant en haut technique, donc qui est une surface en fait pour les motos, que comme en vente dans le magasin, donc que ce soit de la vente de casques, d'équipements du pilote ou même de motocross. Donc je m'appelle Ludovic France, je suis directeur adjoint chez Maxès. Pour moi, avoir un alternant, en fait, c'est essentiel. Déjà, je viens de la voie de l'alternance, j'ai fait 2 ans de BTS NRC. Et en fait, ça nous permet de former des jeunes à nos techniques de vente et à la culture de l'entreprise. Moi, j'ai mis attractif parce que dans le groupe Marie, il n'y a pas que, donc, par exemple pour nous, il n'y a pas que la moto. Il y a aussi MDPR, il y a d'autres concessions, donc qu'on soit fan de moto ou de véhicules en tout genre, on peut trouver facilement une alternance. Essentiel parce que c'est de plus en plus difficile en fait de trouver des jeunes qui savent travailler avec nos techniques de vente. À 10h, avril 2021. J'ai plus la date. J'aurais dit le 10 mai, mais on avait pris Baptiste en stage en fait avant qu'on commence son alternance début septembre. On l'avait pris en stage pendant une semaine pour que lui déjà voir en fait si ça lui plaisait ce métier, cet univers, ce monde. Et puis nous aussi pour voir si on s'entendait bien avec Baptiste. Puis ça a bien accroché. En vacances, le lundi, présent à 14h. Baptiste, tellement habitué à venir à 14h le lundi, il était en vacances, en congé payé, et on le voit qui débarque, exceptionnel. Alors Baptiste, la première chose qu'il fait quand il arrive le matin, il boit un café, et après il prépare l'entrée du magasin, donc il sort les motos, il met les tonnelles dehors, et il met tout ce qui est chaises et tables pour que les clients puissent s'asseoir. Il fait ça bien évidemment avec l'équipe, il est pas tout seul. Et du coup, Ludo, après qu'il nous a aidé pour sortir les véhicules, etc., il prépare les chiffres des objectifs pour la journée et aussi pour la semaine, au trimestre et au mois. Bon chocolat, c'était sûr. Bien sûr. Là, on a l'habitude d'en prendre souvent. C'est facile. Ah, pas mal, ça le fait, grave. Pourquoi est-ce que tu as mis l'expérience ? L'expérience parce que c'est vraiment très facile de grandir dans l'entreprise, d'apprendre. Moi j'ai mis la passion parce qu'en fait on travaille dans la moto, c'est vraiment un métier de passion. On aime ce qu'on fait, on aime les gens avec lesquels on travaille, on aime nos clients. On roule tous évidemment en moto. Et puis je dirais avec l'expérience que par la suite, si jamais en fait le groupe Marie nous intéresse, il y a possibilité aussi de partir dans la voiture, il y a plusieurs sites, on peut vraiment tout faire, donc c'est génial.